Salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Jump Force sur PlayStation 4. Édité et développé par Bandai Namco, sortie officielle le 15 février 2019 et PEGI nous le déconseille au moins de 12 ans. Note plutôt moyenne de 12 sur 20 et malheureusement il le mérite. Sans plus attendre, on va prendre donc du coup les nouveaux personnages qu'il n'y avait pas dans la démo. Si vous voulez voir d'autres gameplays, bon, mon test se résumera à 2 matchs. Je vais prendre un perso de chaque famille pour l'instant qu'il y a entre One Piece, Naruto et DBZ. Pourquoi ce 12 ben, comment vous dire, je suis quelqu'un quand même qui peut se satisfaire assez facilement des jeux vidéo. Mais là, comment vous dire, si je vous dis que J-Star Victory VS Plus m'a plus marqué que Jump Force, c'est que déjà il y a un petit souci. Du coup, bon voilà, Sanji et Kakashi en même temps, on les avait pas dans la démo, dans la bêta. Et on va prendre... ouais, non, on va prendre Trunks pour compléter la famille des BZ. Voilà. Ouais, sabot. Et Piccolo, ouais. Bon, voilà, comme ça au moins, ils vont ramasser dans leur gueule. Pourquoi? Donc du coup, c'est que le jeu graphiquement est plutôt sympa, mais c'est un jeu bourré de fanservice. Et j'ai envie de vous dire que malheureusement, le fanservice ne fait pas tout. Déjà, au niveau du développement du jeu, il n'y a que les lèvres des protagonistes qui bougent. Et tout le reste au niveau du faciès n'a aucune forme, n'a aucune motion en fait. Donc ça fait vraiment un peu comme les jeux de PS2, les premiers jeux où est-ce qu'on pouvait enfin voir la bouche du personnage bouger. Et encore, au niveau de la lips motion capture, et bien, parfois vous voyez que le personnage parle alors que le dialogue est passé depuis un petit bout de temps. Alors que pourtant, je laisse pourtant le jeu en VO. Et malgré tout, il y a ce petit problème. Néanmoins, en parlant de VO, très bien respecté parce que l'ensemble de tous les doubleurs sont présents pour tous les personnages. Petit point négatif pour Light Yagami, Ryuk n'est même pas doublé et Light ce n'est même pas le véritable doubleur, donc il y a parfois des petits couacs. Ouh, la Gaara s'est mis en mode sarcophage de sable pour pouvoir me contrer. Le jeu est, par contre, point positif, très intuitif. Bourrinez la touche carrée pour faire un ensemble de coups et jouez sur le fait d'appeler votre support, car c'est du 3 contre 3 mais en un seul joueur, en 1 versus 1. Je joue contre l'ordinateur actuellement, pardonnez-moi parce que ben, les serveurs ne sont pas ouverts à l'heure où je vous parle parce que j'ai eu le jeu un peu en avance. Et donc du coup je n'accède qu'à l'ordinateur, je n'ai pas non plus accès même au scénario du jeu qui se débloque pour sa sortie. Donc je n'ai même pas débloqué les 40 personnages jouables, vous l'avez vu quand j'ai choisi des personnages, il y en avait qui manquaient. Notamment que ce soit Gon de Hunter x Hunter ou même... Senseiya, Nicky Larson comme on l'a découvert il n'y a pas longtemps dans le roster, enfin, et j'en passe, Ichigo de Bleach, etc. etc. Donc voilà, je vous présente un jeu, ben, malheureusement, comme je suis obligé de faire le test un peu rapidement, j'ai pas pu faire mes 1000 oiseaux, il était un peu trop long. Donc voilà, quand je vous le présente un peu, de façon un peu rapide, un peu précipitée, ben, j'ai que l'équivalent limite d'une démo à vous présenter, mais bon, que je vous le montre avec la totalité des personnages, avec le scénar incrusté dedans, ça changera pas grand chose. En vrai, ça changera pas grand chose parce que le jeu est malheureusement très maigre. Ça partait d'une excellente intention. Est-ce qu'il peut encore... Ouais, voilà, il va me frapper. J'attends, ouais, c'est bon, je peux activer ce qu'on appelle un éveil, parce que j'ai pas encore vu l'attaque de Kakashi en éveil. C'est un R de croix, vous pouvez voir qu'à gauche je peux faire n'importe quelle touche pendant que j'appuie sur la touche R2. Par contre on envoie... Qu'est-ce que... D'accord, ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas... Enfin, moi de base de Naruto, j'ai suivi à peu près, pour vous dire, jusqu'à la mort de Neji. Parce que j'ai pas suivi la fin de Shippuden. Mais je sais que les attaques sont de base très propres au scénar et suivent vraiment en temps réel l'avancée que ce soit de l'anime ou même du manga en question. Et là pour Kakashi, donc voilà, c'est bien ça, c'est ce petit truc qui a duré 10 minutes dans le manga où est-ce qu'il avait les deux Sharingan, dont celui d'Obito. Et donc il a pu se transformer en une espèce de Susanoo Tengu made in Kakashi. Donc ça c'est son attaque la plus puissante. C'est assez étonnant de voir qu'ils ont mis cette attaque alors que bon on le voit qu'une seule fois et encore ça dure pas très longtemps. Je m'attendais à autre chose. Bon, Trunks avec son épée c'est toujours aussi fou. Le jeu étant du coup en 2 manches gagnantes, vous n'avez qu'une seule barre de vie, peu importe si vous changez votre personnage. Si un des trois meurt, c'est la victoire pour l'adversaire ou pour vous si vous avez réussi à tuer un personnage sur 3 chez l'ordinateur ou chez votre collègue. On va choisir donc du coup d'autres personnages. Du coup, comme je vous disais, le jeu part d'une bonne intention. En vrai, on sent que Bandai ne voulait pas se foutre de notre gueule. Moi je me sens pas un petit peu pris pour un con avec ce jeu, même s'il est très très maigre. Parce que de base, bah, l'histoire en gros, vous allez vous créer un personnage qui survit à une bataille, à un affrontement entre Freezer et Sengoku. Et en fait, vous allez rejoindre donc du coup une base qui s'appelle la base de Umbra. Et une escouade qui s'appelle la Jump Force. Donc du coup, en fait, il y a une espèce d'anomalie dans l'espace-temps. Ils appellent ça le Jump. Et dans le monde réel, tous ces personnages de manga ont pu rejoindre le monde et combattre à vos côtés. Pour sauver ce monde qui est envahi par une armée d'espèces de clones qui s'appellent les Venins. Le jeu vous propose donc du coup d'intégrer une des trois teams qui s'appellent Alpha, Beta et Gamma. L'Alpha est représenté en tant que chef par le protagoniste de DBZ, One Piece pour l'équipe Beta et Naruto pour l'équipe Gamma. Chacune a un intérêt pour la base en fait, c'est l'une de repousser l'attaque des venins, l'autre de capturer des territoires chez les venins et l'autre de faire de l'infiltration et de la recherche de renseignements. Donc les objectifs sont différents en fonction de l'équipe que vous allez rejoindre et vous allez avoir même des compétences propres à l'équipe que vous allez rejoindre, dont des attaques spéciales destinées à ce manga précisément. Du coup, ça se voit que ça partait d'une bonne intention, que ça donnait plusieurs choses à faire, mais même quand on fait le scénar du jeu, ben c'est que des combats comme ce que vous voyez actuellement contre l'ordinateur. Donc autant vous pouvez même choisir la difficulté de l'ordinateur, mais à part jouer avec des potes en ligne, l'intérêt est très maigre pour ce jeu malheureusement. Je me suis plus amusé sur J-Star Victory VS Plus parce que le scénar était beaucoup plus intéressant. Pour vous dire, hein, le scénar de J-Star était plus intéressant que celui de Jump Force. Donc voilà, c'est un jeu vraiment très fanservice. Achetez-le. Il coûte le prix fort, bien entendu, 70 € pour les jeux consoles. Mais... c'est... voilà, je manque de mots malheureusement pour pouvoir parler de Jump Force. Ça me chagrine un peu. C'est très fanservice, prenez-le si vous aimez vraiment les mangas. Vous en prenez plein la rétine parce que c'est des combats très dynamiques, très intuitifs. Ou est-ce que du coup, comme je vous ai dit, le but est de switcher avec votre support pour pouvoir reprendre l'avantage si vous enchaînez pendant un combo. Voilà, c'est pas un jeu qui va partir dans l'e-sport parce qu'il est vraiment trop simple. Les coups ne sont même pas à apprendre, il les fait automatiquement. Et j'arrive pas à faire mon Sensei Sekai avec Zoro. Ça aussi, là par exemple, fanservice, je suis vraiment content qu'ils aient mis cette attaque pour Zoro parce que, bah, qu'on se le rappelle, c'était sa meilleure attaque au début de One Piece. La première fois qu'on la voit durant l'arc de Don Krieg, bah, il l'a fait face à Mihawk. Et bon, le mec sur 3 katanas il en perd 2 et après il se fait ouvrir de part en part le bide juste après avoir fait cette attaque. Donc c'est un peu cher payé vous allez me dire. Mais c'est cool de voir qu'il a pu... Enfin, ils ont remis cette attaque. Et d'ailleurs dans l'anime ou même dans le manga il refait cette attaque que 400 épisodes après. Mais c'est bien, donc du coup fanservice oblige, on sent que c'est pensé pour faire plaisir. Du coup voilà, c'est un jeu malheureusement très maigre. Mais au moins, voilà, vous ne serez pas déçus si vous êtes vraiment fan et que vous voulez vraiment juste un jeu pour vous amuser. Pas vous prendre la tête à apprendre les combos. Parce que je vous ai dit, ce jeu, le maître mot c'est intuitif. C'est incroyable. L'esquive est très simple comme vous pouvez le voir. J'esquive vraiment facilement. Ce n'est qu'une seule touche à faire au moment où il vous frappe. Appelez votre sup. Frapper en même temps vous permet de changer de personnage. Mettre vos grosses attaques. Il faut rester appuyé sur R2 et faire une des touches de la manette. C'est très très simple. En vrai c'est... Il m'attaque même pas en plus, c'est ouf. J'aimerais bien qu'il me réattaque pour refaire encore une attaque de l'éveil. Mais pour avoir mon attaque éveil, vous voyez mon personnage en haut à gauche, il est entouré d'un espèce de losange jaune. C'est maintenant que je peux faire mon attaque de l'éveil. Mais tant qu'il ne l'a pas, en fait, il faut qu'il prenne des coups pour pouvoir la faire. Ah, c'est le... Ok, c'est le Sanzen Densekai, ok. D'accord, donc en gros, c'est son attaque de base à Zoro qui était même mieux faite. Ok, ok. D'accord. Bon, bref, du coup, voilà. J'ai découvert à peu près le jeu en même temps que vous. J'essaye de vous montrer les combos, mais après, voilà. Une fois de plus, malgré tout, le jeu ne vous prendra que 18 Go de votre espace de stockage. Donc c'est un petit jeu. Du fanservice, des combos mis à jour. Mais une fois de plus, ça casse pas trois pattes à un canard pour un jeu de combat qui est vendu le prix fort. Donc, réfléchissez avant de le prendre. C'est le conseil que je peux vous donner. Je pense que du coup je vais m'arrêter là, vous en montrer davantage, ce serait carrément vous montrer que du bonus, parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre à vous montrer, je peux même pas vous montrer le hub social, parce que vraiment il n'y a rien à découvrir, je préfère même limite que ce soit vous qui le fassiez si vous prenez le jeu, parce que vous montrer plus, c'est carrément spoiler. Sur ce, voilà, c'est sur cette note mitigée que je vous laisse, en espérant que ce gameplay découvert vous aura permis de faire votre choix sur votre futur potentiel achat de Jump Force. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien, et à ciao!